Madame Arasigian, si vous êtes élue, vous engagez-vous devant l'ensemble des Français présents ici, devant les caméras, que si le Parti Socialiste souhaite taxer les Français d'Amérique du Nord, vous vous opposerez à cette mesure ? Je peux sans problème m'y engager et je vous répète, il n'y a aucune proposition de taxation des Français de l'étranger, quel qu'il soit, hein, d'Amérique du Nord ou d'ailleurs. Est-ce que, Julien Balkany, est-ce que si la droite l'emporte et qu'il y a donc une période de cohabitation, est-ce que vous vous engagez à vous opposer à... Merci Emmanuel. À l'imposition des expatriés fiscaux. Je prends l'engagement solennel que si je suis élu, je m'engagerai à défendre le statu quo et à m'opposer à toute taxation des Français de l'étranger. Et au contraire, nous sommes plus de 40% en Amérique du Nord à avoir la double nationalité. Très clairement, ce que l'on oublie de dire, c'est qu'il n'y a que deux pays au monde qui lient fiscalité à nationalité. Ce sont les États-Unis et les Philippines. Et chaque année, il y a de plus en plus d'Américains qui rendent leur nationalité. Eh bien, ça serait une perte pour notre pays, très clairement, que d'imposer les Français de l'étranger.